train de monter. Je crois qu'on est presque à 40. On voyait le bouillant et le gosse. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il est à 40 le thermomètre? On met l'enfant. Oh non! Il s'est réveillé de la sieste! C'est bon. Ne t'inquiète pas. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien mes amours. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est encore un 24 heures qu'on va faire. Mais c'est un 24 heures que je veux faire depuis longtemps. Puisque c'est le... En fait je vais pas vous dire. Bah si, vous avez vu le titre. Mais en vrai c'est nul. Là j'avais dans l'idée, ouais je vais faire une transition et tout. Je vais faire ça, d'un coup j'aurai le ventre et tout. Mais en fait vous avez vu dans le titre. Laisse tomber. Donc mes amours, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un 24 heures enceinte. Et du coup ça fait 11 ans que j'ai pas été enceinte. Si on compte les 9 mois, presque 12 ans. Depuis Sohan, du coup, ça risque d'être drôle. Donc abonne-toi, like la vidéo si c'est pas encore fait. Tout de suite, on va commencer. Et aussi, si t'as pas encore vu mon nouveau clip, Mademoiselle, mon nouveau son, et si tu l'as pas encore streamé, va le faire. Qu'est-ce que t'attends? Parce que j'ai envie de faire plein d'autres sons pour vous, mes amours. Donc, c'est parti. J'ai acheté un faux ventre sur Amazon. Mais faut voir, mes amours, vraiment, faut voir comment il est trop bien fait. Mais en plus, j'ai payé la peau du derche, encore une fois. Je crois que j'ai payé au moins 200 euros. Mais regardez, il est trop bien fait. Regardez, attendez. Déjà, écoutez. Ça sonne creux comme si... Ça sonne creux comme un vrai ventre. T'as vu? Il y a des petites veines et tout. Est-ce que vous voyez? C'est trop écœurant. Non, il fait chaussures, abuse pas. Ah, tes chaussures. J'ai l'impression que je suis en train d'accoucher du ventre. C'est dur, mes amours, à se mettre enceinte. Ça, c'est pas facile. Faut pas croire que vous allez tomber enceinte facilement. C'est bon? Attends. T'as fait, tu faisais quoi là? Je twerk. Attends, mais c'est pour les grands corps. Moi j'ai un petit corps. Et mon ventre il va tomber, il pend là. C'est bon, mes amours, on est bon. Voilà ce que ça donne, mes amours. Loufit Love enceinte. Allez, screenez, faites vos plus beaux montages, on va pranker tout le monde. C'est trop dur. Il est ferme, il est ferme. Vas-y, fort. Ah. Ah. Ça va, ouf. Il est pas si lourd. Hein. C'est plus pour moi. Trop lourd. En fait, c'est que je peux pas lever mes jambes. C'est ça qui est dur. Ouais. Et du coup, t'as mal aux jambes. Ouais. Mes petites jambes. Bon, allez, c'est parti pour 24 heures. Enceinte. Et tout de suite, on va aller du coup au magasin. On va aller voir si les gens nous laissent passer à la caisse prioritaire. Après, les gens de ma ville, ils sont grave aigris. Vraiment, je vous le dis, ils sont grave aigris, les gens de ma ville. C'est parti. Oh, mon ventre, il a tapé la caméra. Mes amours, regardez mes petites gambettes et le gros ventre. Qu'est-ce qu'il fout? Je chante mon bébé. Hey ah, bien, bien, regarde. Oh, là, c'est là, une fille là. Ou un garçon, on va dire? Un garçon. Ok, donc moi j'ai une fille. Parce que quand c'est un garçon, il y en a deux. Tu le portes fort bas. C'est normal. Ah oui, c'est vrai. Oh! Mais mes amours! Madame, tu vois, il fait déjà du foot dedans. Allez, casse-toi. Mes amours, vraiment, ça m'oppresse. J'ai le ventre, il monte jusqu'en au-dessus de la poitrine. Tu sors? Allez. Allez, tout seul, vas-y. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Oh là 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 là. Là on a une tondeuse. Plutôt pas mal. Je balance mon bébé. Non mais... Qu'est-ce qu'on a? Elle fait flipper. J'avoue, c'est pas très il bouge. Elle a pas intérêt à pleurer comme ça en pleine nuit, hein, parce que je me tire une balle, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, celle-là, elle est belle, mes amours, par contre. C'est la seule belle. Mais par contre, le prérus, il est beau. On a... Ah, ceux-là aussi, ils sont mignons. En plus, il y a écrit loup. Ah, love bébé. Love bébé. Love bébé, le bébé de Loufit Love. On a celui-là, il est gros, hein. Je suis pas sûre qu'il sorte. Je suis pas sûre qu'il puisse sortir de moi, lui.
Là, tu trouves que tu fais de la trottinette, là. À fond. Tu fais pas réellement de la trottinette, hein. Je trouve qu'elle roule bien. Excusez-moi. Arrête. Bonjour. Faudrait lui dire qu'elle fait de la trottinette enceinte, c'est pas... C'est pas très conseillé, normalement. C'est pas très conseillé. Elle a combien de mois, en plus? Elle a 6 mois. C'est pas conseillé, non. Voilà, tu veux, je t'avais avisé, en plus. Vraiment pas. À la rigueur, un vélo ou un quad, si vous voulez. Quoi? Pourquoi je fais ça? Il veut participer. Mes amours, allons y voir. À 6 mois, normalement, tu peux. Y a aucun danger. Non, c'est trop. Je m'en fous, je m'appelle monsieur. Monsieur? Non, là, franchement, non. Ça va, mon bébé? Rien de cassé. Allez, va ramasser. C'est quoi? D'abord. Va ramasser. C'est quoi? Ah, tout ça? Non. Mais, comment c'est possible, ça? Comment c'est possible? S'amuse. Arrête! Non, c'est bon, ça fait mal au cul. Tu fais pas beaucoup d'efforts, hein? T'as récupéré ton sac, c'est bon? Demain, je passe aux infos. Une femme enceinte en plein magasin de jouets, saute sur son ventre. Ah ouais, imagine-toi. Maltraitance et tout. C'est un faux. Allons, on y va. Dis-le à la caméra que c'est un faux. C'est un faux. Non, mais tu le dis. Parle à la caméra. Enfant validé, mes amours. Regardez mon froc, comment il descend. Il descend de ouf tellement, j'ai l'impression que je vais perdre mon froc, justement. Donc voilà, j'étais un truc. Allez. Bon, on est arrivé, on va choisir une bête de tenue de femme enceinte. Bête femme enceinte, mais beau gosse. Nigga got a fetish for success. If I ain't next, and I just leave impression. Next to rain on the window pane, puffing planes. Bon, mes amours, je pouvais pas trop filmer dans le magasin parce que il y avait de la musique et il y avait vraiment de la musique tout le temps. Mais comme vous avez vu, personne ne m'a laissé passer. C'est vraiment des aigris et pourtant ils me regardaient tous. Je vous jure, il y avait le gros panneau prioritaire. Moi, j'ai rien demandé parce que bah je suis pas réellement enceinte, donc voilà. Mais j'attendais qu'ils me disent allez-y, madame, passez. Tu rêves. Ces dindes ne m'ont pas laissé passer. Ils préfèrent eux passer avant que la femme enceinte qui ne supporte plus ses pieds, qui est pleine d'œdème jusqu'au cou, elle doit rester debout. Et la caissière qui joue même pas son rôle, parce que moi, je serais la caissière, j'aurais dit mais madame, passez. Ben non, elle s'en fout. Ouais, mes amours, en tout cas, note à moi-même, les vêtements pour femmes enceintes, il faut faire un effort. Hein. Il faut faire un effort. On va essayer ça en rentrant, mais c'est vraiment pas ouf du tout ce que j'ai trouvé. Par contre, j'ai trouvé plein de trucs trop mignons pour habiller mon bébé. Donc ouais, je suis trop contente. Donc mes amours, là, on est dans le rayon bébé. Et croyez-moi, il va falloir que je fasse mon stock. Donc déjà, ce qu'on va faire, parce que il faut que je goûte les petits pots, parce qu'on sait jamais c'est pas bon pour mon bébé. Je vais pas laisser mon bébé manger des petits pots, alors que ça tombe, moi, j'aime pas. T'attends quoi? D'accord, il a dit pâte bolognaise. Bon, c'est pas grave, tomate mijotée, pâte jambon, coquillette. Oh, mais c'est cher. Ma parole que c'est cher d'avoir un gosse en cette époque. Hein. 3 euros des tomates. Moi, de toute façon, je lui ferai maison parce que je suis une maman idéale. J'achèterai un cookie bibi et je ferai mes trucs et tout. Heureuse d'être enceinte. Je retiens. Non. Arrêtez de chier. Ah bah si je fais un bain pour mon enfant, il faut que je regarde la température de l'eau pour pas les bouillanter.
Ça, c'est super important. Est-ce que tu te souviens de la température? 37,5, je crois. 37,5, mais t'es malade. 37,5, c'est le thermomètre. Oh, oui, c'est vrai. Tu sais plus la température de l'eau? Non. Ils ont je crois que c'est... La température préconisée est comprise entre 35 et 37. C'est impossible. Je te jure. La température du bain? Oui. Mais j'y crois pas. Si, entre 35 et 37. Non, j'y crois pas. Bah tiens, lis. C'est bête ou... Mais je prends que je vais prendre celui-là. En vrai, je crois que je vais prendre de la fausse poudre, mes amours, au prix du lait. Mm. Non, je mettrai du vrai lait, hein. C'est bon. Moi, il va téter directement, c'est moins cher. Allez. C'est bon. Vous pensez quoi de votre mère enceinte? Lilou, tu serais contente? Ok. Et Sohan? Tu serais content? Bon, mes amours, ils sont très expansifs. Tu serais content? Vous serez content? Oui. Ouais. Les amours, ils seraient vraiment pas contents que je sois. Moi, je suis content, mais dans la chance, non, parce qu'ils ont perdu déjà. C'est ça. C'est parti pour le hall. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais déjà, on va passer aux vêtements femmes enceintes. J'ai pris les moins moches du magasin, tout en sachant que c'est moche. Oui, je fais ça avec mon doigt parce que c'est... Non. Donc, on a un legging pour femmes enceintes, avec le gros truc qui monte là-devant qu'on va mettre. Et le t-shirt qui est Best Mother Ever. Best Mother Ever. Parce que je suis là. Bada Banks. Et avec ça, mes amours, pour mettre sur le ventre. Une petite serviette pour quand il sortira du bain, parce qu'il faut que je m'entraîne. Un petit pyjama pour qu'il dorme ce soir, parce que pareil, il faut que je m'entraîne. Des petites couches, mais ça vous les avez vues. Et un petit shirt, hein. Oh non, par contre, c'est tellement mignon. Il écrit Maman chérie. Le père en sueur. Et qui vous dit, mes amours, peut-être que je suis réellement enceinte et que je fais genre que ça, c'est pas mon ventre, mais je suis en début de grossesse et que tout ça, ça va pas être gaspillé, je vais le garder. Mm-hmm. Je vous mets un hashtag caché là, mes amours. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est l'hashtag caché, c'est Loof It Love. Loof It Love, fais-nous un bébé. Mm-hmm. Un petit pantalon. On a un petit serre-tête. On a un autre petit pantalon. Oh, c'est trop mignon par contre. Un autre petit serre-tête. Parce qu'en vrai, j'avais pas besoin d'acheter tout ça. Hein. Il me suffisait d'acheter une seule tenue, mais je sais pas pourquoi j'ai acheté tout ça. Et Mom, I love you. Voilà. On a les petites chaussettes pour un million. Non, ça c'est trop. Alors ça c'est devant ou derrière? Donc ça je crois que c'est derrière. Alors attendez mes amours. Hop. C'est bon, j'ai le pantalon. Je suis à quelle position? D'accord. En vrai mes amours, j'abandonne la transition. Je suis pas assez douée, je garde les transitions pour TikTok. Suivez-moi sur TikTok, je vous mets mon compte TikTok ici. Là-bas je fais des bêtes de transition. Ouais, mademoiselle. D'un coup, je ressens en bombe. Qu'est-ce que t'es belle. Bon, mes amours, on est sur un petit look. Vraiment, je préfère. Je trouve que ça fait moins dindon qu'avec mon gros cargo et tout. Regardez. Bon, par contre, c'est vraiment une tenue de 1902, mais j'ai pas trouvé mieux. Regardez. Petit leggings. Voilà. Avec le petit haut, la petite ceinture. Là, on dirait réellement que je suis enceinte. Ça me fait des bourrelets à cause du faux dos. Mais bon, c'est pas grave. Regardez. Voilà, vous faites love enceinte. Screenez, mes amours, je sais que vous attendez ça tout le temps. Ah, et j'ai oublié de vous dire, la top recherche sur TikTok, c'est Loof It Love enceinte. Non. Je te jure. Ils veulent trop voir comment j'étais quand j'étais enceinte. Et ben voilà, j'étais comme ça. Mes amours, j'ai oublié de vous dire, regardez, j'ai fait un tatouage. Bon, il est rouge, il est d'une rougeur. Il est encore archi gonflé, il est tout croûtu. Mais regardez, c'est la canette de Kirby. Attends, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, je vous montrerai quand il sera plus guéri, mais en tout cas, j'ai fait une canette de Kirby. Là, j'ai fait un téléphone nana. Ici, j'ai fait une petite briquette. Ah, mais depuis que vous m'avez pas vu, j'ai aussi fait le nounours, l'appareil photo. Oh, mais depuis que vous m'avez pas vu, j'ai fait beaucoup de tatouages. On va passer à la dégustation de la lasagne. Déjà, c'est pas bon, ça n'a pas de goût. Tu veux? D'ailleurs, puisque je suis enceinte, j'aime pas du tout. Ça me donne envie de vomir, j'ai des nausées. Comment ça? Moi, je veux une gaufre de chez Amorino. Je veux une gaufre de chez Amorino maintenant. Comment? Je peux rien refuser une femme enceinte. Tu penses à ton mari? Ça fait 4 jours qu'elle n'a pas mangé. Et je pense à ta femme qui supporte un enfant, qui va accoucher, tu peux très qui va bien, souffrir. Tu peux très bien attendre que je finisse de manger. Non. Tout de suite, madame. Voilà, c'est ça que ça marche.
Mais mes amours, c'est dur, on voit plus rien. Mais oui, là, j'ai possibilité d'écraser mon ventre, mais s'il est dur, si c'est la réalité, je peux pas. Tu peux me les mettre, s'il te plaît. Oui, oui. Allez. Ah, ok. Ah, j'ai une contraction. Prends ta gueule. J'ai tapé, toi. Allez. Non, 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 non. Tu sais, c'est pas mes amours, pas je pourrais pas être enceinte avec lui. Y a pas de problème. T'as vu comment il veut pas me respecter. Il va jamais être un bon père pour une femme enceinte. Pour une femme enceinte, un bon père dans la vraie vie, oui, mais pour une femme enceinte, tu seras pas du tout adapté, mon gars. Ah bon? J'ai pas perdu l'habitude. Regarde, enfile-moi ça. Tu veux même pas m'aider, tu veux Pousse pas. Même pousser, tu sais même pas le faire. Non, je sais plus, j'ai les jambes pleines d'eau. Ah oh. Bon, mais ma chérie, putain. Non mais... Pardon, pardon, pardon. C'est du taf d'être enceinte. Sérieux, enceinte. Non mais... C'est du taf d'être le mari d'une femme enceinte. Et madame. Merci, mes fraises. Les fraises, il n'y a pas de fraises ici. Il va falloir aller au magasin. Hein. Pose-le là, on y va. C'est bon. Bonne gaufre, mes amours, franchement. On n'aura pas fait toute cette attente. Il a attendu au moins... Une demi-heure. Non, 20 minutes. 20 minutes. Plus 30 minutes de route aller et 20-30 minutes de retour. C'est trop. Et moi, j'ai ma petite gaufre, caprice de femme enceinte. On adore. Pour le remercier d'avoir été, elle a droit à un petit bout de gaufre. Que ça, hein. J'ai tout dégommé en moins de 5 minutes. 3 minutes, tu dirais. Il a bien mangé, mon bébé. Il a bien mangé, mon bébé. C'était tellement bon. Voilà, je suis enceinte, on m'excuse tout. J'ai le droit de rôter et même de péter si jamais j'ai mal au ventre. Sauf que c'est pas le cas. On va présenter le bébé à mon momo. On va voir comment il va accueillir l'enfant. Oh, j'ai un livret de famille. Nom du père. Oh, un bébé. Je vois mon bébé. Je vais le prendre ici. Oh, bonjour, toi. Je vais te faire un câlin, le bébé. Ah, c'est le bébé. Eh, il a bien léché. Comme on peut voir qu'il a bien pris soin du gosse, il l'a nettoyé. On va le présenter à Sony, c'est pas sûr que ce soit pareil. Doucement! Non mais... Mon enfant! Là par contre, il n'y a plus de respect là. Voilà. Bougez! Doucement! Doucement! Bon, on n'est pas prêt d'avoir un gosse, hein. Ils sont en train de le martyriser, maltraiter. Et on va voir si je sais toujours laver un bébé. Bon, mes amours, je vais pas laver mon gosse avec du shampoing pour chien, je vous rassure. Préparez ce qu'il faut. J'ai encore laissé l'enfant seul. S'il tombe, on va dire que je suis une mauvaise maman. Non, faut vraiment que je le fasse comme si c'était vrai. On va préparer les petites couches, le pyjama et les chaussettes. Et la petite serviette, je vais l'ouvrir. On va déshabiller cette chose. Déjà, apprenons à bien s'en servir. Est-ce qu'on peut le mettre comme ça? Je crois qu'il faut mettre comme ça quand on change. Il faut tenir les poignées. C'est pas ça, hein? Voilà. Je vais laisser l'enfant là. Tu ne bouges pas. Tu ne tombes pas du lit, hein, maman demande. Et là, je vais aller prendre la température du bain. T'es obligé de tenir ton ventre, tellement qu'il est lourd. Mes amours, je suis en transpiration, j'ai des gouttes dans le dos carrément. Oh, ah oui, c'est en train de monter, je crois qu'on est presque à 40, on va y aller bouillanter le gosse. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il est à 40 le thermomètre? On met l'enfant. Il est à... Eh hey, franchement, t'es une torture toi. Il met presque à 40. Ben alors? Oh non, il est à 41. Wow. Ouais, on est à l'idéal. Je vous montre, je suis pas une menteuse, hein. Je suis pas une maman mytho. On est bien. Qu'est-ce que tu gères? On est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Maman t'avait dit de rester sagement là.
j'y peux rien. C'est mes amours, vous avez vu, hein. Je ne m'en ai pas bougé. C'est pas de ma faute. Faudra pas venir me dire que c'est de ma faute qu'il est tombé. Non, je vais faire comme ça. Ensuite, la tête, sans faire les yeux. Merde. Voilà. Voilà. Oh, il adore. Mais en fait, on se coupe un bébé comme ça, Sandra, pour l'essuyer. C'est pas comme ça qu'on fait. On prépare d'abord son plan. Oui. Putain. Merde. Alors, faut attraper les pieds. Moi, je sais, je me comme ça. Moi, je te félicite parce que tu as tellement bien mis la couche du premier coup. T'as vu. Et maintenant, bravo. On va mettre le petit pyjama. Oh, tu lui as pété le bras là. Non, tu lui as écrasé le bras. Non, tu dois tenir les mains normalement. Non, regarde. Non, c'est pas comme ça. Je plie son coude. Non. Ma articulation. Mais regarde. C'est pas comme ça. Mais laisse-moi faire. Normalement, tu dois prendre ton poing. Non, c'est pas du tout comme ça. Voilà, je me souviens comment. Regarde, je me souviens. D'accord. Regarde. Voilà. Hop. Là, ici. Voilà. Son doigt, il est pas bloqué, son doigt, hein. Comment ça? Si. Il y a des pressions. Non, mais il y a des pressions partout. Ah, c'est d'abord comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Donc. Pas du tout. Mais en fait, c'est toi qui as fait ça. Oh, la connerie, ce qu'elle a fait. En fait, c'est tout bidon, regarde. Non. Un côté comme ça. C'est pas comme ça. Ah, si, regarde. Après, une fois que lui est passé, on met le body. Mais c'est pas. Attends, c'est quoi cette pression? Non. Ah non, comment ça se fait? Pourquoi il y a plein de pression? Il y en a plein partout. Bon, on va dire que c'est bon. Non. Ça va bien le faire. Tu veux que je fasse? T'es encore pire que moi. Non, par contre. T'as trop fait ton malin. C'est un body... c'est quoi ce body spécial? C'est un puzzle le truc. Non, c'est pas comme ça. Si, c'est bon. Non. Regarde, tu vois? Non. Fashion. C'est pas comme ça. C'est bon. Vas-y, tiens. Attends. Tiens, t'es nul, vas-y. Mais ça va quoi, ça, là? Mais vas-y. Tu commences déjà à lui parler. Eh ben oui. Oh, c'est mignon. Voilà. Waouh. Ah, j'ai oublié de brosser ses cheveux. Quel meringue. Quel cheveux? Et voilà, au bout d'une demi-heure. Wouh. Bravo. Il est beau, hein. Mes amours, il y a mon producteur qui vient de m'envoyer un message pour me dire qu'on était 20e. Non, là, je suis trop moche, hein. Pour me dire qu'on était 20e des tendances musique YouTube. Du coup, je suis trop contente. Je me sens fatiguée, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. J'ai super mal à la poitrine parce que j'ai mes règles. Et du coup, là, je me sens réellement comme si j'étais enceinte. C'est un calvaire. Et j'ai envie d'arrêter la vidéo tellement je me sens enceinte. Et j'aime pas me sentir enceinte. C'est horrible. Vraiment, moi, j'ai mal vécu mes grossesses. Hein. J'étais pas en mode, oh, waouh, je suis belle et tout. Je l'ai trop mal vécu. Mes amours, je vais profiter de mon petit massage au Yep. Et juste après, on se retrouve pour goûter les petits pots de bébé. Oh non! Il s'est réveillé de la sieste! C'est bon, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Allez. Faut tout essayer, mes amis. C'est bon. Je te félicite pour la patience que t'as. Bon, allez, occupez-vous-en. Tenez, occupez-vous-en. Voilà. Occupez-vous-en. Moi, je vais goûter les petits pots. Merci chérie Momo. Merci mes amours. Ça a marché. Merci beaucoup. C'est les meilleurs. Si vous avez un bébé à faire garder, mes amours, appelez Sunny Momo. Disclaimers, on fait pas ça à un bébé.
On s'en occupe bien. Bon bref, du coup, c'est bon, il est calmé le bébé. Là, ce qu'on va faire, on va réchauffer les petits Bledis Chef. Tu peux réchauffer, monsieur, s'il te plaît? Voilà, on a celui-ci et celui-ci. On va goûter et ensuite, on va nourrir l'enfant. On a aussi cela. Là, c'est la déchéance. C'est vraiment la fin de grossesse. Les filles qui me suivent, qui ont déjà été en fin de grossesse, savent. La coiffure comme ça et tout, quand on en a marre. J'étais enceinte qu'à 24 heures, j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner, j'imagine pas. Alors, goûtons. Pas de polo. En vrai, c'est pas mauvais, mais genre ça a zéro goût. Zéro sel. Mais pareil. Mais genre ça a zéro goût, s'il te plaît, viens goûter. Ah. Qu'est-ce que c'est bon. Rie pas celui qui va récupérer la poupée. Oh, son petit bonnet. La Sally, son petit bonnet. Tu veux toi aussi? Tenez mon amour. Il est chien de manger avec la même cuillère. Non. Pardon, Moshi. Non, mais vas-y, c'est plein de... En plus, t'es sérieux. Non, mais tu... Franchement, tu crasse. Ça t'apprendra de critiquer maman, jeu de maman, papa. Tu sais, c'est moi tous les jours qui mets la table, tout ce qui est couvert et tout. Tu vas mourir. C'est bon ou pas? Maman, elle demande. C'est bon ou pas? Je vais t'avoir. Alors là, je t'explique. Il est beau cet enfant. Pourquoi il y a une trace là? Il bave. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah, il y a vraiment une bave. Mais oui, c'est de la bave. Il est bien fait ce bébé. Ouais, il est beau en plus. Je lui lirai une petite histoire tout à l'heure, regardez. Pour l'occasion, j'ai acheté un petit livre, mon petit bébé chien. Pour le bébé, pour le lire tout à l'heure. Voilà, il redort. On le lira après. Et nous, on va faire un peu le ménage. Bon mes amours, là je suis dans mon lit, la journée est terminée, il fait noir dehors, j'ai été me laver, j'ai mangé et du coup j'ai lu une petite histoire à mon bébé, je lui ai lu l'histoire des petits chiens, elle l'a trop aimé, regardez, elle fait dodo, donc c'est bon, j'ai vu que j'étais une bonne mère, maintenant là j'ai mon gros bidon et tada! C'est bon, il est là, mes amours. Je devais dormir avec, mais je vous jure, pardonnez-moi, mais j'en ai marre. Je peux pas. J'ai trop subi cette journée. Et il est hors de question que je subisse une journée de plus. En plus, regardez mon oreille. Elle est en train de s'infecter. Je suis au bout de ma vie. Non. Je l'enlève, mes amours. J'en ai marre. J'en ai marre. En tout cas, mes amours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, dites-le moi et likez. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller stream le son encore une fois. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je suis trop KO. Bisous.